chez voir les gâteaux là. Bon, je vais peut-être pas m'asseoir toute seule. Mais... Le moteur qui va puer. On les appelle, il faut que. Je sais pas où va. Tu l'as mis dans la clé. Et je me mets n'importe où. Ou bien. D'accord. Ça fait un peu bizarre de toute seule. Bon, tant pis, je vais m'installer. Guillaume, quand tu veux. D'accord. Posons des questions dans le chat. Moi, je vous indiquerai les questions sur l'écran. D'accord. Je peux commencer là, alors ? Oui. D'accord. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis Brigitte Monfroy, directrice adjointe en charge de la formation à l'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Et au nom de l'équipe de direction de l'INSP, je vous souhaite la bienvenue à cette première réunion d'information et d'accueil en direction des fonctionnaires stagiaires du premier degré qui sont inscrits en DIU, entrée dans le métier. Tout d'abord, je vais commencer par, au-delà de ce mot d'accueil, par vous féliciter. Vous féliciter parce que vous venez de réussir un concours difficile, et qui plus est, un concours qui vous permet d'entrer dans de nouvelles fonctions, dans un beau métier qui est le métier de professeur des écoles. Je dois dire que vous avez fait le bon choix. C'est un métier qui, je suis sûre, sera passionnant. Peut-être un peu difficile, en tout cas dans les premières années, vous aurez à continuer à construire des compétences hein, qui vous permettront de continuer à vous perfectionner dans ces nouvelles missions. Mais je suis sûre que vous trouverez beaucoup d'épanouissement dans ce métier. Je vous souhaite surtout vraiment beaucoup de bonheur à l'exercer. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, un été chaud qui vous a permis de fêter ça et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée. Donc vous arrivez aujourd'hui, j'imagine, hein, avec beaucoup de questions, beaucoup peut-être d'angoisse, ce qui est tout à fait légitime hein, puisque c'est une année importante, hein, une première année où vous allez faire une rentrée qui sera plus comme élève ou comme étudiant, mais comme professionnel, hein, comme enseignant. Et c'est une vraie révolution hein, quand on change et qu'on part, on va de l'autre côté du miroir. Et là, quand on se confronte à la réalité d'un métier qu'on a choisi. Donc l'objectif de cette première réunion, c'est de commencer à vous apporter des réponses à toutes les questions que vous vous posez et de commencer à vous présenter ce dispositif particulier dans lequel vous entrez à partir d'aujourd'hui, hein, cette année de fonctionnaire stagiaire. C'est une année de fonctionnaire stagiaire qui prévoit deux grands moments. Un premier moment de prise de responsabilité d'une classe en école, maternelle ou primaire, et un deuxième moment où vous allez être en formation à mi-temps à l'INSP pour continuer à développer les compétences professionnelles qu'on attend d'un enseignant du premier degré, d'un enseignant de l'école primaire, hein, et qui fera l'objet en fin d'année d'une évaluation qui vous permettra de devenir titulaire, c'est-à-dire fonctionnaire de l'éducation nationale. Voilà. Donc, nous allons vous présenter rapidement, et ça sera ma mission, les grands éléments de cadrage de la formation qui se déroulera
à l'INSP. Et puis, je donnerai la parole à ma collègue Danielle Dubois, qui est responsable de la formation des fonctionnaires stagiaires et qui vous amènera des détails supplémentaires et qui vous présentera plus précisément la formation que nous allons vous délivrer. Alors, ce moment d'accueil, je le précise tout de suite, c'est un premier moment. Vous en aurez demain, vous êtes attendu toute la journée dans les sites INSP auxquels vous êtes attaché. On fera le point tout à l'heure pour vous présenter ces sites. Cette semaine d'accueil se poursuivra lundi où vous êtes attendu dans vos circonscriptions. Vous allez rencontrer vos interlocuteurs de circonscription, l'inspecteur, le conseiller pédagogique, le directeur de l'école, sont peut-être votre tuteur. Et puis mardi, il y aura un accueil institutionnel où là, vous pourrez entendre madame le recteur, ce que les DAZN, ce que les inspecteurs attendent en fait des nouveaux professionnels qui entrent aujourd'hui dans l'éducation, dans l'institution éducation nationale. Et puis mercredi, ça sera déjà l'après-rentrée et vous serez dans vos écoles. Dans ce premier temps, une présentation rapide de l'INSP. L'INSP, c'est l'Institut National Supérieur de l'Éducation. L'INSP de l'Académie de l'Île-de-France, c'est un seul établissement qui est composé de 6 sites de formation. 6 sites de formation où vous serez affecté en fonction, évidemment, de votre bassin de stage. Donc, je vois que le PowerPoint ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc, ces sites de formation, donc il y a le site de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, il y a le site de Douai dans le Nord, Valenciennes et Gravelines. Et puis, dans le département du Pas-de-Calais, il y a le site d'Arras et d'Outreau. Donc, en fonction de votre lieu de stage, vous avez été en principe, quand vous êtes inscrit à l'INSP, affecté dans un de ces sites. D'accord ? Et c'est dans ce site, oui, voilà, et c'est dans ce site que vous devrez vous rendre demain, mais aussi pour les autres moments de votre formation. Alors, donc au niveau de vos jours de formation, donc j'imagine que vous savez que votre stage se déroule... D'accord, que se déroule le lundi. Non, vous ne savez pas encore que D'accord. Bon, donc en fait, vous êtes en école les lundis et mardis et vous êtes en formation à l'INSP les jeudis et vendredis. Et ça pour tous les fonctionnaires stagiaires mi-temps du premier degré. Après, on va y répondre après. Vous savez que suite à la réforme, la formation des fonctionnaires stagiaires a évolué, puisque désormais le concours se passe en M2. Et exige l'obtention d'un master. Donc nous proposons, la formation à destination des fonctionnaires stagiaires se présente en 2 parcours. Un premier parcours, le DU entrée dans le métier, et un second parcours, un DU approfondissement et consolidation de l'entrée dans le métier. Donc pour savoir si vous êtes bien dans le bon parcours, vous êtes en principe dans une des situations qui vont vous être présentées. Donc il y a 5 possibilités et ça dépend évidemment cette situation antérieure au concours. Donc soit vous avez effectivement un master, mais qui n'est pas un master MEF ou un autre diplôme de niveau 5. Donc vous êtes dans le parcours entrée dans le métier. Soit vous êtes dispensé de titre ou de diplôme parce que vous êtes parent de 3 enfants ou plus, ou sportif de haut niveau. Enfin, vous êtes également dans ce parcours si vous êtes détaché de la fonction publique. Et donc vous étiez dans un autre corps que l'éducation nationale ou dans d'autres missions que celles d'enseignants.
Et enfin, vous pouvez être en DU, en, non pas enfin, puisque c'est la quatrième possibilité, vous pouvez être en DU entrée si vous étiez déjà fonctionnaire stagiaire l'an dernier, mais vous n'avez pas validé soit votre master, c'est le master, ou soit votre stage en responsabilité. Et donc là, vous êtes en, si c'est le cas, vous êtes en prolongation si vous n'avez pas été titularisé en fin d'année ou en renouvellement. Voilà les cinq situations qui expliquent votre affectation dans le DU entrée dans le métier. Voilà. Donc, bravo. Vous êtes fonctionnaire stagiaire. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous devez être inscrit obligatoirement à l'INSP pour pouvoir suivre la formation et surtout valider votre formation en fin d'année et qui vous permettra effectivement d'être titularisé. Je vous rappelle que vous êtes à mi-temps mais payé à temps plein et que ça, effectivement, ça, le pendant, c'est que la formation est obligatoire. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, mais je suis sûre que tout le monde est inscrit déjà, vous devez le faire rapidement, en principe avant demain soir. Alors l'inscription se fait en ligne, hein, ça va assez vite. Vous pouvez, en vous connectant sur le site de l'INSP, télécharger le dossier à remplir et l'envoyer le plus rapidement possible au service d'inscription. Et n'hésitez pas à interpeller la scolarité de l'INSP si vous avez des questions concernant votre inscription. Voilà. Alors, votre inscription, elle vous donne quoi ? Elle vous donne un accès, évidemment, à l'ENT hein, de l'Université de Lille. Évidemment, c'est très important parce que sur cette ENT, vous allez trouver toutes les ressources qui vont irriguer la formation. Hein, donc, c'est important de pouvoir y accéder. Ça suppose quand même que vous créez très, très rapidement, que vous identifiez votre adresse mail d'étudiants à l'INSP, qui est une adresse mail UNIV, parce que sans cette adresse mail, vous ne pourrez pas vous connecter à l'ENT, notamment au Moodle, où vous pourrez trouver toutes les ressources nécessaires à la bonne réalisation de votre formation. Et nous communiquerons avec vous par votre adresse UNIV Lille. Nous n'avons pas accès à vos adresses HAC académiques. Donc, vous, pour vous envoyer les informations relatives à votre formation, nous vous les envoyons avec vos adresses mail INSP, enfin, UNIV Lille. Et puis, bien sûr, vous aurez une carte d'étudiant. Enfin, bon, voilà. Je vous rappelle que c'est gratuit, hein, que l'inscription est gratuite et que donc il n'y a aucun souci. Mais nous, c'est très important pour nous et pour vous que vous puissiez être inscrit. Alors, rapidement, qu'est-ce qui va se passer durant cette formation qu'on nous allons vous offrir à l'INSP ? Alors, il y a un certain nombre de dimensions qui sont inscrites hein, dans les arrêtés qui cadrent hein, cette formation. Évidemment, notre premier objectif et la première dimension, c'est on vise hein, évidemment le renforcement, voire le développement des compétences du référentiel métier, des attendus de fin de formation, du référentiel de formation. Et, chose très importante également, la visée professionnelle de cette formation que nous allons vous délivrer, elle est évidemment portée par une équipe pluricatégorielle, c'est-à-dire que interviendront dans votre formation des formateurs de statuts différents, des universitaires évidemment, mais aussi des praticiens, des professionnels et notamment des enseignants maîtres formateurs. Donc la formation, elle vise à construire un équilibre entre ces différents apports parce que c'est, je dirais, l'ambition de l'INSP, c'est de donner aussi une dimension universitaire de recherche de haut niveau à la formation des futurs et des professeurs des écoles. Voilà. Alors, donc,
Pour aller vite hein, sur ces différentes dimensions qui sont centrales dans votre formation à venir, il y a effectivement les dimensions disciplinaires et didactiques. Vous n'allez pas seulement être en face d'élèves, vous allez devoir enseigner des disciplines. Ça suppose une solide formation sur les aspects disciplinaires, la connaissance des différentes disciplines, mais aussi sur les manières d'enseigner ces disciplines. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi les collègues qui interviennent dans la formation, il y a des universitaires, il y a différents professionnels, mais avec pour chacun un souci important, un souci majeur, qui est de s'appuyer sur les résultats de la recherche, sur les derniers résultats de la recherche, qui indiquent aussi, hein, qui éclairent les différentes dimensions du métier d'enseignant. Dans les compétences qui vont être aussi travaillées, de manière importante cette année, il y a celle relative à la citoyenneté, la fonction éducative et citoyenne, la formation du futur citoyen qu'à l'école, hein, qui est une dimension importante, la dimension éthique, et puis aussi la capacité à travailler non pas tout seul dans sa classe, mais avec les collègues des autres classes, travailler en équipe dans les écoles. Ça, c'est, vous l'entendrez tout au long de cette semaine d'accueil. On attend de vous vraiment un développement des capacités à travailler ensemble, à faire partie d'un collectif et à y apporter vos compétences. Alors, on aura effectivement aussi à travailler sur les dispositifs qui permettent non seulement l'éducation des élèves, mais aussi comment on prend en charge tous les élèves, pas seulement les bons, hein, mais aussi ceux qui parfois sont en difficulté, mais c'est ça qui donne aussi tout son sens au métier, hein, c'est qu'on est là pas seulement pour enseigner à ceux qui apprennent le mieux, mais surtout aussi pour enseigner à ceux qui ont plus de difficultés à apprendre. Et donc il y a cette attente forte hein, aujourd'hui de mettre en place, de mettre en œuvre une école plus inclusive hein, qui permet à tous les élèves de trouver leur place au sein des écoles aujourd'hui. Et enfin, une dernière dimension qui est évidemment l'utilisation des TIS. Alors, pour voir pour vous-même hein, et puis aussi pour les personnes qui vont vous accompagner tout au long de cette année, on vous demandera de réaliser un portfolio de compétences qui justement faire la démonstration de vos progrès, des progrès que vous allez réaliser tout au long de cette année et qui montreront la construction progressive de ces compétences professionnelles. Et bien sûr, on vous expliquera hein, pendant la formation à quoi consiste hein, ce portfolio et comment on le met en place, mais sachez que ça sera quelque chose, et donc par exemple dès la rentrée, dès même maintenant, vous pouvez commencer ce portfolio par, voilà, quelles sont mes questions, quelles sont mes angoisses et comment je vais y répondre dans les jours qui viennent et comment mes réponses vont être adéquates ou pas. Enfin voilà, hein, c'est vraiment un processus important, cette réflexivité qu'on tend aussi à développer tout au long de la formation. Et puis bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la place fondamentale de la recherche. Hein, je ne vais pas revenir sur son importance, sur le fait qu'elle irrigue votre capacité à prendre du recul, à pouvoir analyser, à pouvoir voir que ce n'est pas vous qui êtes en difficulté, mais c'est bien finalement la manière de concevoir une séquence d'apprentissage ou de concevoir une animation de séquence qui ne va pas et qu'on peut bien sûr changer. Hein, il n'y a pas, y a aucun souci. Et tout ça, en fait, s'inscrira au-delà du portfolio dans le rendu d'un dossier réflexif de développement professionnel que vous aurez à déposer pour le 17 mai 2023. Et qui nous permettra du côté INSP de valider votre année de formation. Voilà. Alors, ce qu'on attend de vous, au-delà de l'assiduité évidemment en formation, c'est le rendu de ce dossier réflexif de développement professionnel. Et puis enfin, et ça c'est le point un peu d'orgue de cette année de formation en direction des fonctionnaires stagiaires, c'est que au-delà des différentes dimensions que j'ai présentées, il y a aussi une dimension importante aujourd'hui du travail enseignant qui est la capacité à travailler en partenariat.
pas seulement en équipe, mais aussi en partenariat. Et pour vraiment permettre à nos fonctionnaires stagiaires de finaliser cette dimension importante de, aujourd'hui du métier, nous organisons une journée importante qui est obligatoire aussi pour tous les fonctionnaires stagiaires, qui est, on appelle la journée des partenaires, le mercredi 7 juin 2023. Cette journée de des partenaires qui vous donnera l'occasion de rencontrer presque tous les partenaires avec lesquels vous êtes susceptible de travailler dans les années futures de votre carrière professionnelle si vous restez dans l'Académie de Lille. Voilà. Je pense que j'en ai fini et je vais donner maintenant la parole à ma collègue Danielle Dubois qui va continuer à vous présenter plus finement, plus dans le détail, votre formation. Merci à vous et j'aurai l'occasion évidemment de répondre à vos questions sans souci. Bonjour. Si tu veux. Bonjour à celles qui sont présentes dans l'amphithéâtre, bonjour à celles et ceux qui sont en visio derrière leur écran. Donc effectivement, je suis Danielle Dubois, responsable de la formation des fonctionnaires stagiaires. Et donc je vais avoir le plaisir de travailler avec vous cette année, d'échanger avec vous cette année, et aussi de coordonner avec mes collègues, notamment responsables pédagogiques des sites de formation, les équipes de formateurs qui vont travailler avec vous dans le cadre de cette formation, dans ce diplôme interuniversitaire, entrée dans le métier. Alors pourquoi inter ? Parce qu'en fait, c'est un diplôme dont les contours sont définis au niveau national. Donc les contours sont identiques dans l'ensemble des INSPE de France, avec des volumes de formation qui sont cadrés en fourchette minimum et maximum, hein, de fait. Et ces contours sont aussi définis au niveau institutionnel par le ministère, hein, qui passe un certain nombre de commandes en ce qui concerne la formation des enseignants, et qui sont plus particulièrement précisés dans le cadre de l'arrêté du 4 février 2022. Et puis, je dirais que nous avons aussi révisé notre copie, mais nous avions bien travaillé. Et les documents qui sont parus le 13 juillet ne nous ont pas amenés à modifier ce que nous avions pensé depuis le 4 février, heureusement. Alors, les principes de formation de votre parcours. Donc, comme vous l'avez bien compris, vous allez être en charge de classe les lundis et mardis et en formation dans un site INSP le jeudi et le vendredi. Donc, l'idée, effectivement, de ce parcours de formation, c'est de vous aider à entrer en responsabilité de manière plus confiante et de manière de plus en plus confiante au fil de l'année, à tel point que après cette année de formation, imaginons que vous soyez nommé en CM2 et que l'année prochaine vous ayez une petite section, vous ne soyez pas complètement paniqué dès cette information connue ou le contraire. Voilà. Donc vous aidez effectivement à entrer en responsabilité de manière de plus en plus confiante en comprenant de mieux en mieux les enjeux du métier et les manières de l'exercer. Donc dans cette idée aussi de vous aider à construire, consolider vos compétences professionnelles et notamment celles qui ont à voir avec la conception et la conduite de séances d'apprentissage ou de projets, le « ou » n'étant pas exclusif hein, mais inclusif, hein, bien sûr, on peut conduire des séances qui s'inscrivent dans un projet sans problème. Cette idée aussi d'intégrer de plus en plus les valeurs de la République dans l'ensemble de leurs dimensions, c'est-à-dire, par exemple, quand on interroge l'hétérogénéité des élèves, la prise en compte des différences entre les élèves, on intègre les valeurs de la République parce qu'on est à la fois sur cette idée d'égalité et sur cette idée de fraternité. Peut-être qu'on ne le pense pas comme ça, mais en fait, c'est la réalité. Donc, cette idée d'intégrer cette réflexion, ces exigences autour des valeurs de la République concrètement, c'est-à-dire dans la conception et la conduite des projets, des apprentissages et de la classe aussi, et pas seulement de manière plus théorique, mais vraiment concrètement.
Et puis, comme l'évoquait Madame Monfroy tout à l'heure, dans cette nécessité qui est celle des enseignants d'aujourd'hui, je dirais qui n'a pas non plus que n'ont pas non plus oublié ou n'ont pas intégré les enseignants d'hier, mais cette nécessité effectivement de s'interroger sur ses pratiques, sur ses réussites et sur ses difficultés en tant qu'enseignant, de manière effectivement à progresser, à être de plus en plus acteur de ses choix, de ses choix éducatifs, de ses choix didactiques, de ses choix pédagogiques, de manière à proposer effectivement à nos élèves des dispositifs qui à la fois leur permettent d'apprendre de mieux en mieux et puis leur donnent envie de continuer à apprendre aussi. Voilà, donc c'est cette idée effectivement, en appui sur la recherche en éducation, de travailler dans une démarche réflexive et cette idée effectivement de portfolio et d'approche par compétences qui nourrit, traverse ce diplôme interuniversitaire comme il nourrissait et traversait le master métier de l'enseignement et de la formation qui n'est pas votre diplôme, mais qui est le diplôme d'autres fonctionnaires stagiaires. C'était déjà une préoccupation de ce master. C'est pour ça que c'est une préoccupation de votre parcours, puisque c'est peut-être plus éloigné de votre cursus. En fait. Et donc, d'où l'idée aussi de le portfolio et cette approche par compétences et de cette approche par compétences, elle va aussi nourrir toute votre carrière en réalité. Hein, voilà. Et pas seulement ceux des IU, puisque le référentiel de compétences métiers vaut aussi pour les enseignants qui ont X années d'ancienneté. Et qui échangent autour de ces compétences avec leurs inspecteurs dans le cadre des rendez-vous de carrière. Alors, cette maquette de formation, elle est structurée en trois blocs que je ne définirai pas précisément puisque vous les avez sur le diaporama. Ce sont des blocs auxquels sont rattachées des compétences et auxquels sont rattachées des attendus de fin de formation. Mais à la lecture de ces trois blocs, vous voyez quand même bien effectivement la coloration de ces blocs et les préoccupations ou les thématiques associées à ces trois blocs. On a un bloc qui est plutôt autour de voilà, l'enseignant acteur de la communauté éducative, un bloc qui est plutôt centré autour de l'enseignement, des savoirs, et puis un bloc plutôt orienté autour justement de cette idée de démarche réflexive en appui sur la recherche. Et donc cette maquette de formation construite autour de ces trois blocs, voilà, est une maquette de formation. Donc ne prenez pas nécessairement tous les volumes horaires, vous aurez tous les éléments qui seront mis en ligne, à disposition, ou par mail, enfin le ou n'étant toujours pas exclusif, et par mail, et dans le Moodle dédié ou dans lequel vous retrouverez ces éléments-là, plus sur les documents institutionnels qui sont mis en ligne sur le site sur l'ENT de l'INSP. Donc vous trouverez tous ces éléments-là, mais vous voyez comme ça effectivement que votre maquette de formation, si on fait le total de toutes ces heures, ça représente 246 heures de formation sur l'année, avec effectivement, comme vous le voyez, un bon tiers de contenu disciplinaire et didactique, hein, carrément une moitié même, hein. et puis des enseignements aussi qui ont donc à voir avec l'enseignant acteur de la communauté éducative et l'enseignant praticien réflexif. Hein, donc une maquette de formation avec des éléments constitutifs, hein, puisqu'on est quand même dans une formation universitaire. Alors si je développe un peu plus hein, chacun de ces blocs, vous verrez qu'effectivement, dans ce premier bloc autour de l'enseignant acteur de la communauté éducative, on travaille sur des thématiques transversales, dont certaines seront réfléchies, interrogées, questionnées en interdegré, c'est-à-dire avec des collègues du second degré, avec des collègues conseillers principaux d'éducation, selon vos sites de formation. Mais en tout cas, ce sont des questions qui, en fait, interrogent l'ensemble des professionnels de l'enseignement et de l'éducation, quel que soit leur statut et quel que soit le niveau de classe auquel ils enseignent, et qu'ils soient polyvalents ou disciplinaires ou conseillers principaux d'éducation. Donc, il y aura quelques moments
où certaines questions seront traitées de cette manière-là, en interdegré, parce que ça permet aussi d'avoir un regard sur la manière dont l'élève vit son parcours d'élève de la maternelle au lycée. Hein, ça permet aussi d'envisager les continuités et d'éviter les ruptures qui sont toujours synonymes de difficultés pour les élèves qui les vivent mal, en fait, ces ruptures, et donc de les accompagner. On parle de la sécurisation, terme un peu comme ça, voilà, la sécurisation des parcours des élèves, du parcours des élèves, mais c'est dans cette idée-là aussi qu'on a quelques journées de formation en interdegré. Alors, vous avez ici, par exemple, faire partager les valeurs de la République, je ne vais pas citer l'ensemble, hein, voilà, mais vous pourrez avoir, par exemple, des temps de formation autour des pédagogies coopératives. En quoi le fait de conduire une séquence dans le cadre d'une pédagogie coopérative, en prenant appui sur une pédagogie coopérative ou une séance, en quoi est-ce que ça contribue à faire partager les valeurs de la République? Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez concret, en fait, hein, cette idée bien de tisser les liens. Donc avec un temps commun dans cette perspective-là. Dans la thématique enseigner aux élèves éloignés de l'école dans une perspective inclusive, on parlera par exemple des élèves éloignés, c'est-à-dire plutôt cette fois-ci éloignés sociologiquement, peut-être avec des familles relevant de la grande pauvreté, ou, voilà, par exemple. Et pas seulement le fait de travailler sur les troubles des apprentissages ou voilà, les élèves en situation de handicap. Avec là aussi, effectivement, un travail commun en interdegré. Et puis, cette problématique aussi d'égalité filles-garçons, où on travaillera aussi sur les pédagogies de l'égalité ou la lutte, la prévention justement, et la lutte contre les stéréotypes. Alors, ce sont des questions que vous avez travaillées, bien sûr, pour réussir le concours, bien évidemment. Mais là, l'idée, c'est de se les approprier et de les mettre en perspective avec les classes dont vous aurez la responsabilité. Parce qu'effectivement, lutter contre les stéréotypes ou les pédagogies de l'égalité, selon qu'on a une petite section ou un CM2, on ne va pas nécessairement envisager les choses de la même manière, même si la préoccupation existe, et qu'on doit aussi la penser de manière longitudinale, c'est-à-dire, et qu'est-ce que mes élèves ont fait avant, si je suis en CM2, qu'est-ce que mes élèves ont fait après, si je suis en petite section ou en CP, enfin pas en CP, en CE1, mais si je suis en CM2, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi au collège, et quand on est au lycée, qu'ont-ils fait avant? Vous voyez, c'est aussi dans cette perspective-là, hein, de penser ça en question de métier, et puis de savoir un petit peu ce qui se passe avant, après. Et puis d'aiguiser aussi votre curiosité, de fait. Vous aurez aussi un temps autour du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Et là, ça sera en travail avec des lieux culturels, hein, des artistes. Et très probablement dans des lieux culturels, hein, on vous déplacera, alors pas très loin, ne vous inquiétez pas, hein, dans vos bassins d'affectation, hein, mais ça vous permettra aussi de prendre contact avec une structure que vous ne connaissez peut-être pas, et puis de travailler avec des artistes ou des personnes qui relèvent du domaine de la culture. Et puis la fameuse journée des partenaires qu'évoquait tout à l'heure Brigitte. Dans ce bloc B, toujours, alors là on est sur des contenus disciplinaires pédagogiques et possiblement didactiques. Dans le cadre des obligations réglementaires de service d'un enseignant du premier degré, alors certes à temps plein, il y a la participation à 18 heures d'animation pédagogique de circonscription. Donc, on pourrait dire que bah oui, vous êtes à mi-temps, vous pourriez n'en faire que 9. On vous invite à participer aux 18 heures et ça fait partie de votre maquette de formation. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne devez pas faire 2 fois 18 heures ou 9 heures d'un côté, 18 heures de l'autre. Ça fait partie de votre maquette et vous devez participer à 18 heures d'animation pédagogique en circonscription. Vous choisirez lesquelles sont les plus pertinentes avec votre tuteur terrain, avec le conseiller pédagogique de circonscription, en fonction du projet d'école, du niveau de classe dans lequel vous exercez, de votre questionnement professionnel. Il vous aiguillera, elle vous aiguillera sur les animations pédagogiques de circonscription les plus pertinentes, hein, au regard, effectivement, de votre projet de formation. Et puis, sur site INSP, vous aurez effectivement des formations disciplinaire et pédagogique autour des domaines de la polyvalence,
donc en art, en EPS, en français, histoire, géographie, éducation morale et civique, langue vivante, mathématiques et sciences, présentées par ordre alphabétique des disciplines. J'ai fait attention, parce que sinon j'aurais mis français en premier, je suis professeure de français, donc je dis non. Rangeons-les dans l'ordre alphabétique, avec des volumes horaires qui iront d'une douzaine d'heures à 24, me semble-t-il, selon les disciplines. Bien sûr, aussi une formation en lien avec le numérique éducatif. Bien sûr, aussi des contenus de formation autour de la construction d'une autorité éducative et de la gestion de classe. Quelques thématiques, travailler en équipe, différencier, évaluer, installer un cadre de travail. Je pense que c'est par là que vous commencerez la formation. Des questions de cette nature. Et puis, la journée de demain, 26 août, qui fait partie de votre maquette de formation. Donc demain, après cette journée, vous aurez déjà fait 6 heures dans cette maquette de 246 heures. Il en restera 240. Voilà, petite touche d'humour ou pas. Et puis le dernier bloc, donc l'approche scientifique et la démarche réflexive. Là, de fait, vous aurez un volume horaire, c'est 6 heures, me semble-t-il, en ce qui vous concerne de mémoire. Mais je reste prudente sur les volumes horaires, où vous aurez des conférences à visionner. Mais là, de fait, ça sera sur temps libre, entre guillemets, c'est-à-dire on ne va pas vous enfermer 6 heures dans une salle à l'INSP en vous disant « regardez 6 heures de conférence », ça n'aurait aucun sens. Donc, voilà, sur votre temps personnel, en fonction de votre projet de formation, au regard du nombre conséquent de conférences qui sont à disposition dans le catalogue de l'INSP, conférences de cette année, enfin, qui vont arriver, ou des années antérieures, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière, et vous pouvez vraiment choisir ce qui vous correspond en fonction de vos besoins de formation, des questions que vous vous posez, des projets que vous avez avec vos élèves, et donc vous pourrez vraiment choisir, et vous avez donc un volume horaire dans votre maquette pour effectivement prendre du temps pour actualiser vos connaissances. Alors c'est un temps Le temps qui figure dans votre maquette est un temps obligatoire. Après, si vous voulez en faire plus, c'est votre choix. Et puis, vous avez aussi un temps de formation en présentiel, cette fois sur site INSP, autour de l'analyse de pratique. Le portfolio qu'évoquait tout à l'heure Madame Monfroy, vous serez initié à la démarche portfolio avec un formateur tout au long de l'année. Et puis, vous aurez aussi un référent INSP qui travaillera avec vous de manière individuelle pour vous aider à construire, élaborer votre dossier réflexif de développement professionnel en prenant appui sur ce que vous aurez construit, déposé, analysé à partir de votre portfolio. Donc, pas d'inquiétude, vous serez accompagné. Il y a quelques éléments là qui figurent sur la diapo, peut-être des choses qui vous font peur, de la trace à la preuve. Qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire, enfin, un petit peu de teasing comme ça, voilà. Mais donc je n'en dirai pas plus, mais vous serez accompagnés pour y voir plus clair. Donc ça n'est pas abscon, obscur, ça n'est pas du charabia, ça veut dire quelque chose. Mais vous verrez effectivement de quoi il est question. Et vous pourrez, je pense que vous verrez que vous emparer de cette démarche sera vraiment utile, et pour cette année, et surtout pour la suite, en fait. Parce que c'est quand même l'objet de vous former aussi, pas seulement pour cette année, mais aussi vous donner matière à continuer à vous former ensuite. Donc, votre année de formation, évidemment, de maintenant à juillet, vous allez avoir une responsabilité de classe, vous allez être en formation dans votre école, toute école est un lieu de formation, bien évidemment, vous allez avoir une formation INSP, vous allez avoir des rendez-vous professionnels avec votre référent parcours, des rendez-vous professionnels avec votre tuteur terrain tout au long de cette année, élaborer votre portfolio des écrits de synthèse, rendre votre dossier réflexif de développement professionnel le 17 mai, et en juillet, le jury académique rendra un avis en vue de votre titularisation qui sera prononcée par Madame le recteur en fin d'année scolaire et universitaire. Alors, nous vous invitons à prendre connaissance précisément du guide du stagiaire ou de la stagiaire qui
soit a été mis en ligne ce matin, soit sera mis en ligne très vite sur le site du rectorat. Je suppose que vous êtes déjà allé sur le site du rectorat dans l'onglet accueil, semaine d'accueil des fonctionnaires stagiaires, où un certain nombre de documents voilà, où sont déjà mis en ligne ou sont annoncés comme étant imminents. Hein. Donc dès qu'ils seront mis en ligne, je vous invite vraiment à les télécharger et à les lire. Vous y trouverez matière à information, pratico-pratique, institutionnelle, mais aussi sur les objectifs un peu de cette année de formation du côté de l'institution, la manière dont vous pouvez interagir avec votre tuteur terrain, et puis aussi quelques balises en termes de questionnement professionnel, parce que bien sûr, quand on entre dans un métier qu'on ne connaît pas ou pas vraiment, ou dont on a des souvenirs, on peut parfois ne pas se poser un certain nombre de questions, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'imagine pas que les questions se posent. Hein ? Donc l'idée est effectivement que toutes les personnes qui vont vous accompagner dans ce parcours de formation, y compris ce guide qui n'est pas une personne mais qui peut néanmoins y contribuer, va vous aider aussi à peut-être envisager des questions que vous n'imaginiez pas. Voilà. Hein ? Donc c'est pour ça que je vous invite à le lire, parce que peut-être ça va justement soulever des questions qui seront peut-être intéressantes à poser lundi en circonscription, mercredi quand vous serez effectivement en réunion d'équipe dans votre école, voire mardi si vous participez à la réunion institutionnelle et au fil de votre année. Alors, cette année de DIU, c'est une formation par l'alternance, donc vous avez une formation dans les sites INSPE, votre activité professionnelle, des suivis personnalisés sur le terrain d'une part au sein de l'INSPE d'autre part, et l'idée c'est qu'effectivement, ces trois dimensions résonnent, résonnent RE et résonnent aussi les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire les deux en fait, interagissent, se questionnent et s'enrichissent mutuellement. C'est-à-dire, ah tiens, ce qu'on m'a dit à l'INSPE, effectivement, ça peut, je le vis là tout de suite aujourd'hui avec ma classe, ou bien, ah bien, ce que je viens de vivre avec ma classe, peut-être que ça peut poser question, je peux peut-être m'en servir pour poser une question à l'INSPE qui, en fait, résonnera avec la même question que se posent mes camarades. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Ah tiens, on m'a dit ça dans le cadre d'un rendez-vous professionnel. Ben, effectivement, je me rends compte en classe. Ou bien, ah ben tiens, ça fait écho avec ce qu'on m'a dit en formation en éducation physique et sportive. Enfin, vous voyez, c'est cette idée-là, effectivement, d'essayer de mettre tout en résonance et en réflexivité aussi, voilà. Avec cet objectif pluriel, donc, de réussir votre entrée dans le métier en faisant réussir les élèves, parce que c'est notre projet à tous quand même, hein. Ce sont les élèves hein, qu'on a, voilà, les élèves futurs citoyens qu'on a en ligne de, voilà, qui sont au cœur du métier. Et puis aussi, faire la preuve de la construction de vos compétences professionnelles, des attendus de fin de formation, puisqu'à la fin de l'année, ce que vous visez de votre côté, c'est la titularisation. Hein, donc il y a les deux dimensions à tenir. Donc du point de vue de l'INSPE, vous serez donc accompagné par un référent qui vous aidera dans l'élaboration de votre dossier réflexif et nourrir votre portfolio. Donc un référent parcours. Et puis vous disposerez de différents outils réflexifs qui seront mis à votre disposition. Dans le Moodle dédié, qui seront travaillés en séminaire de trace, donc pendant les cours, qui seront travaillés avec votre référent individuel, votre référent parcours, donc pas de panique, hein, vous serez accompagné. Et donc l'évaluation de ce diplôme, donc qui permet de valider ce diplôme interuniversitaire hein, du côté de l'INSPE. Alors, je ne vais pas détailler trop, hein, mais voilà, vous aurez donc un dossier réflexif de développement professionnel à remettre, hein, à rédiger, mais pas de panique, on ne va pas vous demander un pensum, un mémoire de 120 pages, ni de 40 ou 50, on va vous demander un travail réflexif néanmoins, donc qui sera rédigé néanmoins, et qui prendra une forme qui est assez ouverte, mais un document de cadrage va être aussi mis à votre disposition, sera travaillé en séminaire de trace avec votre référent parcours. Donc l'idée effectivement de cet écrit, c'est que cet écrit
vous permettent de faire la preuve de la compréhension que vous avez à la fin de cette première année des compétences professionnelles, des métiers de l'enseignement et des attendus de fin de formation. Donc on n'attend pas que vous soyez expert comme un collègue qui aurait, je sais pas, 10 ou 20 ans de carrière. C'est en fonction de votre parcours antérieur, vous entrez dans le métier, vous n'avez pas de master métier de l'enseignement de l'éducation, et vous serez en première année de formation et d'exercice. Donc, toute chose étant raisonnable par ailleurs, et d'ailleurs, d'un point de vue institutionnel, le ministère demande, il y a 5 niveaux d'attendu, 0, 1, 2, 3, 4. Ce qu'on attend, c'est un niveau 2. Alors, bien sûr, vous avez le droit d'aller plus haut que le niveau 2, mais pour vous dire que tout le monde est raisonnable quand même. Voilà, donc on est raisonnable, mais on montre qu'on a quand même compris de quoi il était question. Et on en fait la preuve par le biais de ce dossier réflexif qui prendra appui sur ce que vous aurez mis en place, en œuvre avec vos élèves pendant l'année. Donc c'est en prise sur la classe et le métier. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de virtuel, ça sera en prise avec la réalité. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Alors, si parmi vous, il y a des stagiaires en double inscription M2-DIU, c'est-à-dire des fonctionnaires stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires stagiaires l'année dernière en M2, mais qui n'auraient pas validé la totalité de leur master. Comme le master est obligatoire pour la titularisation, vous êtes obligé de le terminer. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas refaire la totalité de ce que vous avez validé. Voilà. Donc, vous êtes en renouvellement pour raison, j'ai mis problème, j'aurais dû mettre raison, pour des raisons de scolarité, parce que l'entièreté de votre master n'est pas validée. Votre master MEF n'est pas validée. Donc, de fait, une commission pédagogique examinera donc la situation de chacune et chacun. Donc, on va vraiment faire un travail de dentelle. Et en fonction, on vous fixera un contrat pédagogique en fonction des éléments qui vous restent à valider dans le cadre de votre M2. Et ce contrat vous dira, vous devez suivre tel cours de M2, vous devez suivre tel cours de DIU. De manière à ce que vous validiez votre M2 à la fin de l'année. Parce que c'est le but. Voilà. Et votre référent INSPE, tout comme vos formateurs, auront une attention particulière à votre parcours, qui est quand même spécifique, de fait. Puisque, par ailleurs, vous avez déjà une expérience d'enseignant l'année dernière. En responsabilité. Vous n'êtes pas néo, complètement néophyte. Donc, une attention particulière. De même, ceux d'entre vous, celles et ceux d'entre vous dont le master est validé, qui étiez fonctionnaire stagiaire en M2 ou en DU entrée, en DU poursuivre, en DU conforté en 2021-22, mais qui ont été en arrêt un nombre de jours trop important pour que votre stage soit évalué, moyennant quoi vous êtes en prolongation de stage sur tout ou partie de l'année 22-23, donc soit jusqu'en janvier, soit jusqu'en juin, ou bien vous avez rencontré des difficultés de gestion de classe ou des difficultés didactiques, disciplinaires, et le jury académique vous propose une deuxième année de stage parce qu'il estime qu'une deuxième année de stage vous permettra de résoudre ces difficultés. Oui, donc quoi, vous êtes en renouvellement de stage. À ce moment-là, effectivement, vous devez vous inscrire en DIU entrée, puisqu'il n'y a plus que deux possibilités de formation pour les stagiaires. Soit vous êtes temps plein dans un DIU, soit vous êtes mi-temps dans un autre. Mais ce DIU entrée n'est pas redondant avec ce que vous avez suivi précédemment. Il est complémentaire. Et de même, votre référent parcours et vos formateurs auront une attention particulière sur le fait que vous étiez déjà fonctionnaire stagiaire l'année dernière et vous avez déjà donc une expérience dans un niveau de classe qui n'est peut-être pas d'ailleurs le même que celui que vous aurez cette année, et peut-être aussi dans un type d'école avec un public élève qui ne sera peut-être pas non plus le même, mais vous n'êtes pas sans expérience. Alors, en ce qui concerne votre scolarité, bien sûr, vous êtes fonctionnaire stagiaire. Alors, vous avez deux mi-temps, en fait. Mais donc, du coup, vous êtes payé à temps plein. Ce qui est normal, puisque vous faites un temps plein, mais pas un temps plein en école.
un mi-temps en école et un mi-temps en INSPE. Mais de fait, vous avez obligation d'assiduité à l'école, mais aussi à l'INSPE, de fait. Donc, vous devrez émarger au module de formation, qu'il se déroule sur site INSPE ou en dehors. Et pour le visionnage des conférences à distance, vous devrez renseigner une attestation sur l'honneur. En ce qui concerne la validation du diplôme, on en a déjà parlé. En ce qui concerne vos absences, alors, toute demande de congé, ben vous savez qu'on a des autorisations d'absence légales, et puis ensuite on a des autorisations d'absence qui ne sont pas légales, mais de enfin, complaisance, entre guillemets, quoi. Donc, toute demande d'autorisation de congé légal est à effectuer auprès de votre supérieur hiérarchique, c'est-à-dire vous, les professeurs des écoles, auprès de votre IEN de circonscription. Et en cas de réponse positive à cette demande d'autorisation d'absence de congé légal, vous communiquez cette autorisation d'absence au service scolarité de votre site INSPE et aussi sur le mail inspe-parcours-adapté-es-sans-accent-at-univ-lille.fr pour que, en cas de problème, on puisse justement reprendre cette autorisation d'absence et ne pas justement faire en sorte que vous risquiez un 1/30 de salaire pour absence non justifiée. D'accord ? C'est dans cette idée-là. Hein ? Donc, si c'est une demande d'autorisation d'absence pour congé légal, hein, elles sont officielles, hein, ces autorisations d'absence. De toute façon, c'est auprès de votre IEN d'abord, et ensuite, vous nous dites, l'IEN m'a autorisé à m'absenter. Si c'est en régulation, ou même si c'est une autorisation légale, du moment que votre IEN dit oui, ça nous va, hein, mais c'est lui qui dit oui. des arrêts de travail, pour maladie, hein, de fait, ou congé maternité, là, pour le coup, c'est pas un arrêt de travail, mais c'est une autorisation quand même de congé. Les originaux sont à adresser à la circonscription, même chose, hein, au supérieur hiérarchique, dans les délais de rigueur, c'est-à-dire 48 heures ouvrables, et copies à adresser, même chose, au service scolarité du site INSPE et à INSPE-parcours adapté, ES sans accent, atuniv-lille.fr, de manière à ce que, en cas de difficulté, on ait nous aussi la preuve que cette absence était justifiée. Donc c'est pas pour vous suivre à la trace, c'est pour être en assurance. Voilà, prenez-le dans ce sens-là, hein, de fait. Alors, calendrier, emploi du temps, documents utiles à la formation. Donc par mail, sur votre messagerie inspe-univ-lille, d'où la nécessité de vous inscrire au plus vite, hein, d'activer votre boîte mail et ainsi de suite, par voie d'affichage dans vos sites d'affectation, sur un Moodle DU, entrée professeur des écoles, dont j'aurais bien aimé vous communiquer la clé d'inscription, mais nous, les enseignants, n'avions pas encore la possibilité de créer de nouveaux cours avant aujourd'hui, donc voilà, ça va bientôt être possible, mais pour le moment, ça n'est pas possible. Je ne peux pas vous communiquer la clé d'inscription. Et aussi sur le NT, donc vous aurez sans doute des informations par divers canaux, mais abondance d'informations ne nuit pas nécessairement. Pour tout échange, questions, informations, cette adresse mail. C'est une boîte fonctionnelle à laquelle nous sommes quelques-uns à avoir accès, assez peu. Et donc, ça veut dire que tout ce que vous allez mettre dans cette boîte, les questions que vous allez poser, ou même si vous rencontrez des difficultés particulières, personnelles, tout le monde ne lit pas cette boîte mail. Et puis, de toute façon, nous avons tous une éthique et une déontologie, donc quand bien même. Mais de fait, voilà, dans cette boîte mail, il n'y a que les mails des stagiaires en parcours adapté, et nous sommes un tout petit nombre à avoir, quand je dis un tout petit nombre, 3-4, hein, à avoir accès à cette boîte mail. Et donc nous répondrons à vos questions, ou nous vous dirons qu'il faut que vous la posiez, je sais pas, à la circonscription. Mais voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Toutes les questions sont les bienvenues. Mais vous écrivez de votre boîte INSPE ou AC-Lille, mais pas de votre boîte perso. Et puis, vous consultez le site régulièrement, la messagerie, le NT, de manière à ne passer à côté d'aucune information. Alors, à vos agendas,
Selon vos sites de formation, donc pour les stagiaires qui relèvent du site INSP d'Arras, c'est-à-dire ceux dont les écoles d'affectation sont dans des circonscriptions qui relèvent des bassins Artois-Ternois, Lens-Hénin-Liévin et Béthune-Bruay. Voilà. Vous dépendez du site INSP d'Arras. Premier temps de cours, le 8 septembre. Alors, je ne peux pas encore vous dire si c'est matin ou après-midi, mais voilà, jeudi 8 septembre. Pour les stagiaires mi-temps qui relevaient du site de formation INSP de Douai, c'est-à-dire tous ceux qui sont affectés dans une circonscription des bassins de Cambrai et Valenciennes, donc vous êtes 8 à relever du bassin de Cambrai, vous avez dû recevoir un message téléphonique pour vous dire que si vous étiez inscrit sur Valenciennes, on vous bascule sur Douai. Et si vous ne l'avez pas encore reçu là ce matin, vous allez le recevoir. Vous devriez être contacté dans la journée sur votre téléphone. Pour vous le dire, c'est en fonction de la répartition des bassins par site. Donc Cambrai est rattaché à Douai. Et donc la réunion de rentrée, c'est le 7 septembre. Pour celles et ceux qui sont affectés soit dans une circo du bassin Sambre-Avesnois, soit du bassin Valenciennes, pour ceux d'entre vous qui relevaient de l'île Centre, l'île Est, l'île Ouest, Roubaix, Tourcoing, donc soit Valenciennes, soit Villeneuve-d'Ascq, pas de cours avant le 15 septembre. Et pour celles et ceux des sites d'Outreau et Gravelines, réunion de rentrée le 2 septembre matin. Alors, Outreau, c'est les bassins Boulogne-Montreuil, Calais-Saint-Omer. Gravelines, c'est le bassin Dunkerque-Flandre. Donc, réunion de rentrée le 2 septembre matin. Je ne peux pas encore vous dire l'heure, mais le matin. Voilà. Ce qui vient s'ajouter à la date que vous aviez déjà notée, à savoir celle de demain, qui fait partie de votre maquette de formation, où vous avez donc une journée pédagogique dans vos sites INSPE respectifs, ceux que je viens de nommer dans la diapo précédente, et qui est une journée pratico-pratique. C'est comment, jeudi prochain, je prends, alors pas jeudi parce que jeudi ça ne sera pas vous, mais vous allez peut-être observer vos élèves jeudi, vendredi prochain, vous verrez ce qui vous sera proposé lundi en circonscription. Là, de fait, ça relève... Non, voilà, ça ne relève pas de nous, ça relève des circonscriptions. Mais bon, néanmoins, comment lundi prochain, lundi 5 septembre, je prends mes élèves. Et donc, demain, on vous aidera à préparer ces premières journées de lundi-mardi de manière extrêmement concrète. Franchement, c'est du pratico-pratique. Voilà. Donc ça ne sera pas du tout théorique, pas de rien, pas de présentation des maquettes de formation. Déjà, je l'ai un peu fait là maintenant. Ça sera fait là, dans ces dates-là. D'accord ? 8 septembre, 7 septembre, pas avant le 15 ou le 2. Hein ? Demain, c'est ma classe, lundi 5, mardi 6. Mais vraiment ça. Donc demain, il y a des formateurs temps plein INSPE, des enseignants maîtres formateurs qui sont là pour travailler avec vous en petits groupes en fonction du cycle et de la classe dans laquelle vous êtes affecté, pour peu que, si, ils le savent tous, les mi-temps. Voilà, je ne dis pas ce que j'allais dire. Et donc maintenant, nous sommes à l'écoute de vos questions que vous avez la possibilité de poser, puisque nous sommes dans un webinaire, via, me semble-t-il, la fonctionnalité questions-réponses, me semble-t-il. Alors, et non, pas de cours pendant les vacances. Nous n'avons pas prévu de cours pendant les vacances. Vous allez avoir suffisamment, il nous a semblé à la fois raisonnable et puis de toute façon... Vous êtes comme à temps plein. Deux jours en classe et deux jours en formation, voilà, c'est comme si vous étiez à temps plein, donc pas de cours pendant les vacances. Une question dans l'amphithéâtre. Vous avez parlé de 15 septembre,
Non, ça veut dire que vous êtes le lundi, mardi dans votre école, et jeudi, vendredi, vous pouvez préparer les cours du lundi, mardi qui suivent. Après, si on vous propose... Quand vous n'avez pas de formation à l'INSP, vous n'êtes pas pour autant en classe. Hein, le temps de formation est sacralisé. Hein, et donc, par exemple, si vous avez des réunions où on vous convie à des réunions en principe, c'est même pas en principe, hein, la formation doit être privilégiée. Vous devez être en formation et non pas en réunion dans votre école lorsque vous êtes sur les journées INSP. Donc, par exemple, oui, s'il y a une sortie pédagogique prévue le jeudi ou le vendredi avec votre classe, vous ne pouvez pas accompagner. Sauf si, à votre emploi du temps INSP, ce jeudi ou ce vendredi-là, il n'y a pas de cours. S'il n'y a pas de cours à l'INSP, alors c'est possible. Mais s'il y a cours à l'INSP, c'est l'INSP qui est prioritaire. De même, de notre côté, on ne vous mettra pas de réunion visio ou autre chose comme ça le lundi ou le mardi. D'accord ? La classe lundi-mardi, l'INSP jeudi-vendredi. Une question dans l'amphi. Si on vous propose d'accompagner une sortie scolaire qui a lieu un jour où vous n'avez pas cours à l'INSP, vous n'avez pas besoin de nous prévenir. Par contre, si vous nous demandez à être absent un jour INSP alors que vous avez cours pour accompagner une sortie scolaire, on passera un petit coup de téléphone à votre inspecteur pour lui dire ça va pas être possible. Voilà. Hein. Il y a une question sur est-ce qu'il y aura des formations le mercredi ? Alors, il y a déjà le mercredi 7 juin. Là, pour le coup, voilà. Les animations pédagogiques de circonscription ont très souvent lieu le mercredi. Mais pas de formation INSP le mercredi, à l'exception du 7 juin. Mais sinon, uniquement jeudi, vendredi. Donc on a déjà répondu à ces uns. Oula. Alors, le second concours interne. Ça, c'est normal. Les lauréats du troisième concours, c'est bien des entrées. Oui, c'est normal, puisque vous n'avez pas de master métier de l'enseignement et a priori, pas d'expérience antérieure significative de 18 mois à temps plein dans les 3 ans qui précèdent l'obtention du concours. Donc, a priori, c'est logique. Et le second concours interne, alors là, j'avoue que je ne sais pas. Parce que si c'est le second concours interne, ça veut dire que vous avez une ancienneté dans la fonction, enfin dans l'éducation nationale. On peut le penser, mais pas de diplôme. Donc c'est sans doute pour cette raison que vous êtes effectivement nommé à mi-temps, parce que vous, oui, ça doit être ça, parce que vous n'avez pas de master MEF en fait. Du coup, vous êtes nommé à mi-temps. Et puis vous n'avez peut-être pas d'expérience d'enseignement. Si par exemple, ce sont les anciens, les AED par exemple, les AED, il me semble que vous avez certes 3 ans en tant qu'AED, mais pas de master MEF. Donc c'est pour ça que vous êtes à mi-temps et en DIU entrée. Ça paraît, de ce point de vue-là, logique. Les différences entre l'ancien DIU et le nouveau DIU. Alors, très très peu d'interdegrés. Puisque dans l'ancien DU, il y avait quand même massivement de l'interdegré et majoritairement et très peu de formation en mono statut. Et là, c'est le contraire. C'est majoritairement de la formation spécifique professeur des écoles, spécifique enseignant du second degré ou CPE. Beaucoup moins de choix, en fait, et même pas de choix. En réalité, entre tel ou tel contenu de formation. Pas de dossier professionnel réflexif de type 30, 40 pages minimum à renseigner.
Beaucoup plus de temps dédié à justement la réflexivité, bien plus que dans le DU précédent, et davantage aussi de volume horaire dédié aux didactiques aux disciplinaires, temps versus didactique que pédagogie, puisque les années précédentes, enfin dans les anciens DU, on avait 24 heures hein, de disciplinaire didactique, et là vous en avez 126. Donc vous voyez un renforcement disciplinaire et didactique. Donc vraiment, on n'est pas sur des choses qui sont redondantes, où vous allez refaire la même chose. Non. Bon, après, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas changer d'une année sur l'autre. Mais du point de vue de la manière d'envisager les contenus, ça sera différent quand même. Et les groupes seront différents aussi de fait. Oui, la maquette de formation va être... mise en ligne, on va voir si elle peut être mise en ligne d'une manière ou d'une autre. Si j'avais eu les liens, si j'avais pu vous donner la clé d'inscription, vous auriez pu avoir accès à tout cela sur le Moodle. Mais hélas, je n'en dispose pas. Mais on trouvera quand même bien le moyen de vous la faire parvenir, comme on vous a fait parvenir le changement de lien de connexion pour la réunion. On trouvera moyen de vous donner les informations de manière à ce que vous puissiez en disposer le plus vite possible. De même, ce webinaire est enregistré, donc il y aura aussi la possibilité, peut-être pas de le réécouter pour ceux qui sont là, mais peut-être parfois vous voulez peut-être réécouter une réponse à une question ou quelque chose comme ça. Quels sont précisément les attendus de fin de formation ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, vous avez... Alors, c'est très bien à la fois de vous poser cette question maintenant, mais je crois que vous allez vite oublier la réponse si je vous la donne. Parce que vous avez d'autres questions, d'autres questions qui sont urgentes, me semble-t-il. Donc, ça n'est pas que je botte en touche, mais je ne vais pas vous réciter les 23 attendus de fin de formation. Déjà, ça va vous faire peur. Ça ne va pas nécessairement faire écho à quelque chose. Donc, je crois que vous êtes déjà assez stressé comme ça, on ne va pas en rajouter. Ça sera de travailler en formation. Donc ne vous inquiétez pas. Justement, dans la présentation de la maquette de formation, vous avez la liste des attendus. Donc, on ne les cache pas. De toute façon, ils sont fixés au niveau ministériel. Hein, donc, ça n'est pas nous qui les avons inventés. Donc, vous en aurez connaissance très vite. Et ils seront travaillés en formation. Donc, pas de panique. Ça va bien se passer. Mais je crois que, franchement, si je vous le dis, vous allez... Voilà. Focalisez-vous sur demain, la semaine prochaine, la prise en classe la prise en charge de la classe, et c'est bien. Alors, PACOM. En M1MEF, il y a 2 ans, M2MEF l'année dernière, vous n'avez... vous allez de... Ah, oulala. Pour le coup, effectivement, vous allez refaire complètement le M2. Si vous n'avez rien validé... Oui, mais vous avez un master... Vous avez déjà un master? Ah oui. Ah bah donc, bah donc c'est non. Tout. C'est non. Tout. Vous allez vous valider uniquement le DIU. Sauf si vous voulez valider un master MEF. Moyennant quoi, vous allez basculer en M2 MEF. Mais vous n'êtes pas obligé de passer en M2 MEF puisque vous avez un autre master. Et que pour être titularisé, il faut un master, mais pas un master MEF. Un master. Donc, vous pouvez rester complètement en DIU. Le diaporama, oui, je mettrai tout sur le Moodle en première intention, puisque je ne disposerai pas nécessairement de... Ou vous l'aurez par mail, enfin bref, on va se débrouiller pour que... On fera tout notre possible pour que vous veuillez tout très vite. Alors, l'agenda précis de la journée du 26-8. Alors, a priori, ça commence souvent à 9h, hein, mais... Ça dépend selon les sites, hein. Mais a priori, effectivement, ça commence à 9h. Sur le site de Vinovdask, il y a une réunion préalable à 9h avec les étudiants alternants
contractuels et donc les fonctionnaires stagiaires sont attendus à 10 heures. Mais je pense que sur les autres sites, ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous pouvez vous présenter à 9 heures, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous trouverez les. Alors, soit vous pouvez envoyer un mail dans les sites de formation. C'est les adresses fonctionnelles, c'est inspe-scolarité-sans-accent-le-site, Arras, Douai, Valenciennes, @univ-lille.fr. Donc inspe-du-6, hein, scolarité sans accent sur le E, tiret le nom du site, @univ-lille.fr, où, à mon avis, on vous donnera les informations que vous trouverez de toute façon amphi, bâtiment, horaire, répartition dans les groupes, pour peu qu'elles soient déjà faites ou pas, quand vous arriverez demain matin dans chaque site de formation qui prépare cette journée de demain de longue date. Hein, donc, pas de panique, c'est organisé. Ça, on a répondu, pas de cours le mercredi. Vous allez signer un PV d'installation. Attention, c'est autre chose qu'un contrat de travail. Vous allez devenir fonctionnaire stagiaire. Donc, c'est un petit peu différent. Vous allez signer, peut-être lundi en circonscription ou mardi... dans le cadre de la journée institutionnelle, enfin, à un moment ou à un autre, pas demain, mais lundi ou mardi, votre PV d'installation qui va vous installer fonctionnaire stagiaire de l'éducation nationale avec votre affectation, votre statut à mi-temps en école et ainsi de suite, ce qui vous donnera, vous soumettra au devoir du fonctionnaire et vous donnera aussi droit aux droits des fonctionnaires. De fait. Alors, les horaires pour la journée de demain, on l'a déjà évoqué. A priori, 9h, 10h pour Villeneuve d'Ascq. A priori, 9h sur les autres sites. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un mail aux scolarités des sites dont vous trouvez les adresses. Je vous ai donné un peu l'idée de l'organisation de l'adresse. Mais sinon, sur le site de l'INSP, l'espace numérique, hein. Voilà, vous allez trouver effectivement sur la page d'accueil du site de l'INSP, tout en haut, vous avez accueil les sites INSP. Quand vous cliquez sur les sites INSP, tout à droite, vous avez le numéro de téléphone et justement l'adresse mail de la scolarité. Donc, vous allez trouver les informations. Resterait-il encore d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, qui se serait posé. Oui, effectivement, de toute façon, demain, vous aurez aussi toute la journée l'occasion de poser les questions qui vous taraudent. Hein, donc, si nous n'avons pas répondu à toutes, oui, il y a une question dans l'amphi. Non, cette journée, elle est sous votre responsabilité. C'est vous qui contactez votre circonscription. Qui en principe organiser cette journée, donc rencontre avec l'inspecteur, le conseiller pédagogique, peut-être votre tuteur et le directeur de l'école où vous êtes affecté. Alors oui, vous allez avoir une adresse à Cétiré-Lille, puisque vous allez devenir fonctionnaire stagiaire. Bien sûr, vous allez avoir une adresse à Cétiré-Lille et avec des codes d'activation et très probablement, il est même certain que institutionnellement parlant, l'INSPE vous écrira sur votre adresse univ-lille, INSPE-lille, univ-lille, mais votre inspecteur, les services départementaux de l'éducation nationale vous écriront sur votre adresse acier-lille. Donc, vous allez avoir à gérer deux boîtes professionnelles, acier-lille plus univ-lille. Donc soit ce sont des boîtes distinctes, il faudra bien aller les consulter très régulièrement. Au début, on dit tous les jours, hein, quasi. Soit vous les avez ramassées dans votre boîte personnelle avec différentes adresses regroupées dans une même boîte. Ça, c'est vous qui vivez votre vie en fonction de vos messageries. Hein. Mais vous aurez deux boîtes professionnelles à gérer, c'est certain.
et éventuellement, et puis vos adresses perso, pour peu que vous en ayez plusieurs, mais voilà. Donc deux boîtes pro, c'est sûr. Donc faudra bien aller consulter les deux, parce que vous n'aurez pas les mêmes informations sur les deux boîtes mail. Les informations du lundi-mardi, c'est sur AC-, et celles du mercredi pour les animations pédagogiques, c'est sur AC-, et parce que vous aurez des ordres de mission probablement, et ainsi de suite, enfin possiblement. Et sur l'information jeudi-vendredi, c'est sur unif-lille. Alors, Lucas, tout dépend en fait de votre statut réel. Est-ce que vous êtes en renouvellement de stage, parce que effectivement, le jury académique a estimé qu'une deuxième année de stage vous permettrait de dépasser certaines difficultés. Moyennant quoi, effectivement, vous êtes inscrit dans une nouvelle formation et vous devez, pour laquelle vous devez rendre l'évaluation associée à cette nouvelle formation. Si vous êtes en prolongation, parce que un nombre de jours d'absence trop important pour que votre stage de 2021-22 soit évalué, alors ce stage est prolongé sur l'année 2022-23. Et là, deux cas de figure. Soit vous avez déjà rendu votre dossier professionnel réflexif, vous avez pu le rendre, il a été validé et vous n'avez plus rien à rendre. Du point de vue de la scolarité, vous êtes à jour. Soit vous n'avez pas rendu votre dossier professionnel réflexif, et moyennant quoi, effectivement, vous devrez... alors, vous parlez de celui de l'année dernière. Donc, tout dépend s'il a été validé ou pas. S'il a été validé, votre dossier... Et ça dépend. Donc, si vous êtes prolongé parce que vous avez été absent trop longtemps et qu'il a été validé, alors vous n'avez plus rien à rendre. Si... vous devez refaire une année complète, alors vous devez rendre l'évaluation qui correspond à votre parcours de formation de cette année. Sachant que le DPR n'a néanmoins pas été inutile du point de vue de votre développement professionnel, me semble-t-il. Écoutez, dès que l'inscription est validée et que vous avez activé votre messagerie, il me semble que ça va très vite. Donc quand votre inscription est validée, il faut activer votre messagerie. Il y a une procédure en ligne qui vous permet d'activer votre messagerie et vous allez à ce moment-là pouvoir nous envoyer des messages et en recevoir. Alors soit vous la connaissez d'ici à ce soir et vous allez dans le site de formation INSP qui correspond effectivement à votre bassin d'affectation, soit vous ne la connaissez pas d'ici à ce soir, et ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'était l'idée d'aller dans le site de formation INSPE le plus proche de votre domicile. Et surtout quand vous arrivez, signalez-vous aux collègues, aux responsables pédagogiques de site, dites-lui que voilà, vous n'avez pas encore d'affectation, donc vous ne savez pas quel sera votre niveau de classe, qu'il vous affecte, qu'il vous aide à construire votre journée de formation de demain de la manière la plus pertinente possible pour vous, c'est-à-dire que vous repartiez après cette journée en ayant matière pour lundi, mardi de la semaine prochaine. Donc on vous fera vraiment un parcours pour la journée de demain le plus pertinent possible. Un rappel de la procédure pour obtenir l'adresse mail, écoutez, je crois qu'elle est en ligne, quand vous allez sur l'ENT, je crois qu'il y a tout un explicatif pour activer votre messagerie. Oui. Alors, donc, les personnes qui ont validé le DU entrée l'année dernière doivent-elles de nouveau valider le DU entrée avec le dossier réflexif? Oui. Effectivement, si vous êtes en renouvellement de stage pour l'année complète. Donc oui. Alors, les réponses aux demandes de dérogation ne sont pas effectivement, ça n'a pas encore été fait. Et là, de fait,
Donc demain, il vaut mieux que vous rejoigniez le site INSPE de Douai dans l'attente d'une réponse à votre demande de dérogation. Pour demain. Et puis vous aurez sans doute des éléments de réponse d'ici à la semaine prochaine, de manière à ce que vous puissiez soit le 7 aller à Douai si votre inscription est maintenue à Douai, soit le 8 aller sur Arras si votre dérogation pour le site d'Arras est acceptée. Ah ben alors là, les affectations sont définies par les services départementaux, par les DSDEN. Donc ça n'est pas nous qui vous affectons dans les différentes écoles. C'est la division des personnels. D'Arras pour le Pas-de-Calais, de Lille pour le Nord. Oui, effectivement. Vous êtes sur liste complémentaire ? Oui, alors il y a des temps pleins recrutés sur liste complémentaire. Ben non. Ah oui, si. Bien sûr, la liste complémentaire, elle est ouverte à tous les lauréats, temps plein ou mi-temps. Donc, effectivement, voilà, oui, c'est ça. Vous allez donc sur le site de formation de proximité de votre domicile, à proximité de votre domicile, ou celui dans lequel vous étiez l'année dernière, si vous, voilà, ça c'est aussi possible, si, de fait, si vous étiez en... Maintenant, vous n'étiez pas en MEF, sinon vous seriez à temps plein. Donc, je fatigue. Donc, vous allez sur le site INSPE de proximité, à proximité de votre domicile, vous vous signalez, vous vous présentez aux collègues formateurs, responsables pédagogiques de site qui vous accueilleront et qui vous aideront à construire une journée pédagogique qui soit la plus judicieuse pour vous, c'est-à-dire que en fonction de ce qui vous sera proposé, il y a différents ateliers, hein, vous allez tourner hein, sur toute la journée, hein, vous n'allez pas rester toute la journée avec la même personne, hein, il y a différents types d'ateliers qui sont proposés. Disciplinaire, par cycle, institut, enfin, il y a vraiment pas mal de choses, ça dépend des sites, mais il y a beaucoup de choses qui sont proposées, et à mon avis, vous trouverez de toute façon matière à vous rassurer pour lundi-mardi. Alors, précisément si vous connaissez déjà votre affectation, un peu moins si vous ne la connaissez pas, mais néanmoins, vous trouverez matière. Alors, à la fois, bon, on a su, hein, voilà, les listes complémentaires ont été réouvertes, je crois, hier, et donc c'est fonctionnel à partir d'aujourd'hui. Donc, à la fois, on se réjouit, nous, et on se réjouit, et vous vous réjouissez aussi, effectivement, parce que le fait que la liste soit ouverte, ça veut dire que vous devenez fonctionnaire stagiaire. Donc, ça change quand même les choses pour vous cette année. Mais, effectivement, du coup, ça vous bouscule aussi, à la fois dans votre rentrée que vous n'avez pas organisée, ni personnellement, ni professionnellement. Mais de fait, voilà, il va y avoir un accompagnement aussi par les circonscriptions, très probablement, hein, parce que vous allez vraiment faire les choses. Ça me rappelle mes jeunes années, hein, dans un monde antérieur où on connaissait son affectation, y compris dans une autre académie. Hein. Moi, j'ai quand même su mon affectation pour l'Académie de Lille le 30 août. Hein. Pour le 5 septembre, c'est bien. Quand on vient d'une autre académie, bien sûr. Juste avant de terminer, parce qu'il y a un certain nombre d'interrogations concernant une éventuelle autre journée le 7 septembre, donc pour démentir cette information, hein, il n'y aura pas d'autre journée qui va remplacer la journée de demain. Hein, donc vous devez venir à la journée de demain, il n'y aura pas de journée de rattrapage le 7 septembre, quelles que soient les indications qui sont erronées, qui ont pu vous être données par ailleurs. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir peut-être arrêter... Oui, peut-être juste une dernière question, et on arrête tout de suite, effectivement, qui était le 2 matin, c'est la rentrée sur Gravelines ou Trot. Est-ce que le 2 après-midi, on doit rejoindre notre école ? Bah, tout dépend de ce qui vous sera proposé lundi en circonscription, puisqu'en fait, nous ne savons pas si vous êtes invité à participer avec votre binôme, en fait, hein, puisque c'est votre binôme qui aura la responsabilité de la classe le jeudi et le vendredi quand vous serez en formation. Donc, est-ce que votre binôme vous invitera à rejoindre sa classe le vendredi 2, journée pour ceux qui n'avaient pas de rentrée INSPE le 2, ou le 2 après-midi pour ceux qui dépendaient des sites d'Outreau et Gravelines ? Nous ne pouvons pas donner la réponse. Ça n'est pas de notre ressort.
c'est la circonscription qui vous donnera des éléments sur ce que vous devez faire. Alors le premier, vous serez là pour accueillir vos élèves, hein, mais ce que vous devrez faire le 2. Après-midi, si vous êtes en réunion de rentrée sur Outreau-Gravelines le matin, ou bien le 2 journée, si vous dépendez des sites d'Arras, Villeneuve-d'Ascq, Valenciennes et Douai. Alors l'indemnité de formation, si vous êtes affecté sur un site éloigné, là c'est à gérer avec la division des personnels du rectorat. Il y a une indemnité de déplacement qui est donnée, qui a été revalorisée d'ailleurs au mois d'août, donc pour justement prendre en charge les déplacements entre votre lieu de stage, votre lieu d'habitation et le lieu de formation. Donc c'est une indemnité annuelle qui vous est donnée et qui vous sera donnée par le rectorat. C'est ça, elle est forfaitaire, elle est versée peut-être à plusieurs reprises dans l'année, mais pas nécessairement mensuellement. Et comment dire, là pour le coup, ça dépend des services départementaux. Hein, donc ça n'est pas l'INSP, vous aurez ces éléments d'information-là très probablement mardi dans le cadre de l'accueil institutionnel. Mais sinon, vous serez informé par mail sur votre boîte à Cétire-et-Lille. Très probablement aussi, hein, pour remplir les dossiers et ainsi de suite. Nous vous remercions de votre attention, nous vous remercions de votre participation en présentiel ou à distance. Nous nous faisons, Madame Monfroy l'a déjà dit, l'écho de l'ensemble des équipes, des formateurs de l'INSPE, l'écho d'une bienvenue en formation avec nous et de tous nos encouragements pour la semaine de rentrée qui arrive et de l'assurance de notre accompagnement étroit en fonction de vos besoins de formation tout au long de cette année que nous vous souhaitons riche, fructueuse et pleine de belles expériences. Bonne rentrée et belle année de formation à vous.